Huitième heure, de minuit à 1 heure. Arrestation de Jésus au jardin des Oliviers. Faire les actes de préparation avant de continuer. Mon Jésus, il est déjà minuit. Je sens que les ennemis s'approchent. Toi, un peu apaisé, tu essuies ton sang et te rends près de tes disciples. Tu les appelles, les mets en garde. Ils se lèvent et te suivent, tandis que tu marches à la rencontre de tes ennemis. Par ta promptitude, tu répares mes lenteurs, mes négligences, ma mauvaise volonté et ma paresse à souffrir par amour pour toi. Mais, ô mon doux bien, quelle scène émouvante il m'est donné de voir. Le premier à se présenter est le perfide Judas, qui s'approchant de toi et jetant ses bras autour de ton cou, te salue et t'embrasse. Toi, l'amour suprême, tu ne dédaignes pas ce baiser reçu de lèvres diaboliques. À ton tour, tu l'embrasses même et le serres contre ton cœur, cherchant à l'arracher à l'enfer en lui donnant ce nouveau signe d'un amour inouï. Mon Jésus, comment peut-il ne pas t'aimer? Ta tendresse est si grande qu'elle devrait attirer tous les cœurs, et pourtant tu n'es pas aimé. Et tandis que par ce baiser de Judas, tu répares les trahisons, les tromperies, sous l'apparence d'amitié et de sainteté, surtout chez les âmes consacrées, tu obtiens par là même le pardon au pécheur qui, sincèrement repenti, revient humblement vers ton cœur très saint. Mon doux bien, je resterai à tes côtés pour te défendre, pour apprendre ce que tu enseignes et retenir une à une tes paroles. Ah, combien douce à mon cœur cette parole que tu as adressée à Judas, mon ami. Pourquoi es-tu venu? Amice, ad quid venisti? Il me semble que tu me le dis à moi aussi, non pas en m'appelant ami, mais du doux nom d'enfant. C'est comme si tu disais, filii, ad quid venisti? Pour que je te réponde, Jésus, je viens pour t'aimer. Ad quid venisti? Me répètes-tu le matin au réveil? Ad quid venisti quand je prie? Ad quid venisti quand je viens te recevoir, hostie consacrée dans mon cœur? Quel beau rappel pour moi et pour tous. Mais combien a-t-on ad quid venisti? Répondent, je viens t'offenser. D'aucuns font même semblant de ne pas t'entendre. Ils s'adonnent à tous les péchés et répondent a-t-on ad quid venisti en allant en enfer. Que je te plains, ô mon Jésus. Je voudrais prendre ces cordes avec lesquelles tes ennemis vont t'attacher pour lier ces âmes et t'épargner cette douleur. Mais j'entends à nouveau ta voix si tendre dire, alors que tu vas au-devant de tes ennemis, « Qui cherchez-vous ? » Et eux de répondre, « Jésus de Nazareth, et toi, ego sum, c'est moi. » Par ces simples mots, tu dis tout, tu te fais connaître pour ce que tu es, si bien que tes ennemis tremblent et tombent comme morts par terre. Et toi, ô amour sans pareil, par un autre ego sum, tu les rappelles à la vie et tu te livres toi-même à eux. Et ces hommes perfides et ingrats, loin de s'humilier, de trembler devant toi et de te demander pardon, abusent de ta bonté. Méprisant grâce et prodige, ils mettent la main sur toi, te ligotent et te serrent avec des cordes et des chaînes, te jettent à terre, te piétinent, t'arrachent les cheveux. Et toi, avec une inexprimable patience, tu restes silencieux, tu souffres et tu répares ainsi pour les péchés du refus et de l'obstination jusque devant l'évidence du miracle. Par ces chaînes et ces cordes qui te blessent, tu rompes les chaînes de nos fautes et nous lies avec la douce chaîne de l'amour. Avec ce même amour, tu reprends Pierre qui veut te défendre en coupant l'oreille d'un soldat. Tu répares ainsi pour les bonnes œuvres qui n'ont pas été accomplies avec la prudence nécessaire et pour ceux qui, par un excès de zèle, tombent dans le péché. Mon Jésus très patient, on dirait que ces cordes et ces chaînes révèlent quelque chose de plus de ta divinité. Ton front est plus serein et tes ennemis eux-mêmes l'ont remarqué. Tes yeux sont plus lumineux. Une paix et une douceur telles émanent de ton divin visage que tes bourreaux en sont surpris. Le peu de mots que tu dis est si pénétrant
et suave qu'ils en sont impressionnés, et s'ils osent t'offenser, c'est parce que toi-même le permets. Ô amour enchaîné, c'est donc pour moi que tu t'es laissé enchaîner? Pourras-tu jamais permettre que moi, ta créature, je reste sans chaîne? Non, non, tu me liras avec tes propres liens et de tes mains très saintes. C'est pourquoi je te prie, alors que j'embrasse tes mains adorables, de lier toutes mes pensées, mes yeux et mes oreilles, ma langue, mon cœur et mes affections, tout mon être et en même temps toutes les créatures, afin que, ressentant la douceur de tes chaînes d'amour, elles n'osent plus t'offenser. Mon très tendre Jésus, déjà tu t'es livré aux mains de tes ennemis, en leur donnant ainsi le pouvoir de faire de toi ce qu'ils veulent. Moi aussi, mon Jésus, je me livre à tes mains, afin que librement tu puisses faire de moi ce qui te plaira. Avec toi, je veux accomplir ta volonté, faire réparation et souffrir tes peines. Je veux t'entourer toujours, de sorte qu'aucune offense ne m'échappe que je puisse réparer, aucune amertume que je puisse adoucir, aucun crachat, aucune gifle que je puisse aussitôt compenser d'un baiser et d'une caresse. Quand tu seras là, fatigué de tes chutes, mes mains seront toujours prêtes à te relever. Je veux toujours être avec toi, ne pas te laisser seul une minute, et pour être plus sûr de moi, prends-moi en toi, dans ta pensée, dans ton regard, dans ton cœur, en tout toi-même, afin que ce que tu fais, je le fasse moi aussi. Je te tiendrai ainsi fidèlement compagnie, aucune de tes souffrances ne m'échappera, et je pourrai en échange te donner tout mon amour. Ô mon doux bien, il est déjà 1 heure du matin, je commence à m'assoupir, je ferai tout ce que je peux pour me tenir éveillé, mais si le sommeil venait à me surprendre, je m'abandonnerai en toi pour te suivre en tout. Et moi, ô mon Jésus, dès maintenant, je laisse en toi mes pensées pour te défendre contre tes ennemis, mon souffle pour te dire je t'aime et compenser l'amour qu'on ne te donne pas, les gouttes de mon sang pour te rendre l'honneur et l'estime que tes ennemis t'enlèvent par leurs insultes, leurs gifles et leurs crachats, tout mon être pour te garder. Mon Jésus, embrasse-moi et bénis-moi, et si tu veux que je dorme un peu, fais-moi dormir dans ton cœur adorable. Ces battements, accélérés par l'amour et la souffrance, me réveilleront fréquemment, afin de ne pas interrompre notre tête-à-tête. C'est convenu entre nous, ô Jésus. Réflexion. Jésus s'est livré promptement aux mains de ses ennemis, tout en accomplissant la volonté du Père. Dans les trahisons, sommes-nous prêts à pardonner comme Jésus a pardonné? Tout le mal que des gens peuvent nous faire, l'acceptons-nous comme venant des mains de Dieu? Sommes-nous prêts à faire tout ce que Jésus veut de nous? Dans nos croix, nos soucis, pouvons-nous dire que notre patience égale celle de Jésus? Ô Jésus enchaîné, que tes chaînes emprisonnent mon cœur et le gardent étroitement, pour qu'il soit toujours prêt à faire ta volonté. Faire l'offrande et le remerciement.